Bon, bah, pardon, j'espère que vous allez toujours bien. Moi, je suis collée au chauffe-d'eau. C'est soit ça, soit j'ai les jambes qui tremblent. Bon, vous inquiétez pas, je suis sous ibuprofène. La doctoresse m'avait mis une boîte. Si ça va pas demain, je vais aux urgences. Voilà, tout ce que je peux faire, c'est des moulages. Je glisse les moulages entre les pieds du trépied. Voilà, heureusement que j'ai deux trépieds. Hein. Pour l'instant, je peux pas tendre le bras et atteindre celui avec lequel je filme normalement. Parce que m'avancer, je suis obligée de me lever. Ou alors bouger le bassin du chauffe-d'eau. Voilà quoi. Je prépare tout doucement l'envoi mondial relais. Donc c'est 500 grammes minimum. 4,90. Ça va, c'est cool. Donc on se fait un envoi avec Lolo. Laurence, la magie du scrap. Franchement, c'est une fille en or. Et puis il y a aussi un scrappeur en or, c'est Loulou Nicolas 1980, je crois. Voilà. Nicolas Hochet, c'est mon loulou. Ah oui, je l'appelle Loulou parce que je le différencie des autres Nicolas qui sont dans ma vie, quoi, parce que sinon, je m'y perds un peu, hein. Quand je parle de quelqu'un, j'aime bien cibler la personne. Voilà. J'ai encore les doigts qui pèlent, mais ça s'arrange avec ma crème pour les mains. Bon, j'ai aussi de la pasta sur les doigts. Oui, à force de travailler la pâte de structure, on en a plein les doigts. Il y a plusieurs couleurs sur la spatule. Ah oui, je me lève même pas pour aller laver ma spatule. Bon, j'en ai d'autres hein, si j'ai besoin, mais celle-là, c'est ma préférée. Et l'or, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est cette marque-là. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai. Très, très, très longtemps, des années. J'ai même acheté quand j'étais en train de faire les ongles. Donc, du nail art. Oui, je suis assez douée en nail art. Moi, j'ai un peu perdu la main, mais parce que j'ai arrêté. Mais sinon, j'ai les mains pour s'exercer. Je vais m'y remettre. Parce que j'ai commandé des produits pour me faire les ongles. Ils cassent. Et voilà, c'est. Il casse, il casse, il casse. Bon, je sais travailler avec des faux ongles. Oui. J'ai même travaillé avec des faux ongles à l'examen de monteuse câbleuse en électronique. Si. Les examinateurs, ils étaient sidérés. On était deux à travailler avec nos ongles. Ils étaient sidérés. Mais vous utilisez vos ongles comme des outils? Je dis bah oui, c'est pratique, je me brûle pas, c'est du plastique, je n'en ai rien à faire.
fait, mais vous venez de les faire. Si, bah oui. J'étais malade et j'ai quand même eu les deux examens, électricité et électronique. Ouais. 54 sur 56 à l'électricité. J'étais habilitable. Bon, bah maintenant c'est périmé, hein. Ouais. Mais voilà quoi. J'ai été fière d'avoir un diplôme à 35 ans. Deux diplômes. Et le meilleur de l'électricité m'a embrassé la joue pour me féliciter. Il me dit, mais attends, tu regardes pas une fuite d'électricité avec de l'eau. Moi, j'ai pensé à une chambre à air. J'étais sur la chambre à air. Je dis, moi, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'ils nous ont guidés, un peu guidés, ils m'ont facilité le travail, les examinateurs. Il me dit, regarde bien le tableau. Le tableau électrique. Hein. Qu'est-ce qui va pas? Ça, c'est débranché. Il me dit, tu vois rien d'autre? Alors, je regarde comme il faut. Ça, c'est pas enclenché. Tout se passe bien. Tout se déroule bien. Il me dit, paramètres de sécurité. C'est notre corps que je lui dis. Sinon, il faut baliser. Etc. Etc. Et puis un jour, je me balade dans Provins. Je vois un boîtier électrique ouvert. Personne. Je reviens. Je repasse par le même chemin. Je vois un... Donc le gars, j'ai dit... Et le paramètre de sécurité? Il me dit, bah, je suis là. J'ai dit, mais tout à l'heure, vous n'étiez pas là. Il était où le paramètre de sécurité? Et comme ça là, hein? J'ai dit oui, j'étais habilitable. Et sais-tu? Il me dit ah bon? J'ai dit ouais, le tableau il était ouvert. Il était où le paramètre de sécurité? Et ouais. Ah bah avec moi, faut faire attention parce que j'ai la réplique facile. Surtout quand il y a une erreur. Enfin, je trouve comment quand il y a une erreur. Et puis là, je vais vous dire franchement, la pâte, vous la faites avec les produits Action. Donc la première solution que je vous avais donnée. Si vous voyez que c'est trop liquide ou trop quoi, vous rajoutez un petit peu, mais vraiment un tout petit peu de fécule de pomme de terre. Mais ne la faites pas entièrement avec la fécule de pomme de terre. Si vous faites un moulage, c'est râpé. Ah oui, c'est à recommencer, à jeter, à recommencer. Ça va pour les dentelles uniquement parce que c'est fin. Mais les dentelles, elles en arrivent à craquer. Alors moi, j'ai fait une patouille en argenté.
et j'ai rajouté de la gouache vinylique dedans pour que ça y ait une matière plastique. Non seulement j'ai mis beaucoup d'acrylique, mais j'ai rajouté en plus de la gouache vinylique. Ben, ça me fait des dentelles superbes. Là, je suis en train de tester pour les moulages. Donc, on verra. Voilà. On verra, on verra. Je vois les moulages qui se creusent. Donc, c'est que c'est en train de sécher. Mais j'ai fait un micmac. Obligé. Voilà. J'ai fait donc avec du doré, mais je vais attendre que ça sèche un peu avant d'en remettre parce que j'ai fait une boulette. Je l'ai pas fait plat. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Et puis donc je vais me faire des choses en des cadres en dorure. Je l'ai fait en marron avec ma patouille. Je dois dire que ça fait assez bois. Donc je suis en train de faire le camé qui va à l'intérieur avec ma patouille parce que, eh ben, avec la fécule de pomme de terre, zéro, j'ai dû le jeter. Et ouais, avec la fécule de pomme de terre, ça va pas. Ça ne me convient pas. Donc, pâte, action. Colle, tacky-glue, action. Acrylique blanche, action. Vous faites une patouille. Comme ça. Mais je sais, j'ai les doigts sales. Mais bon, je peux pas bouger, je peux pas monter dans la baignoire. Puis en plus, j'ai les allergies qui sont fortes. Enfin bon. Hein. Et puis là, vous voyez l'intégralité de mes cheveux. Double tresse. En fait, c'est une tresse que j'ai faite et puis que j'ai attachée là parce que je trouvais pas de d'élastique. Je voulais pas me pencher. Donc voilà. Oui. Voilà. J'ai des gros soucis là de jambes. En fait, ça va de la taille au pied. Oh, c'est une sorte de sciatique. Alors, les kinés ici, ils vous font des électrodes, ils mettent ça à forte puissance, vous pouvez plus marcher après. Donc non. Le meilleur, il nous fait faire de la balnéo et pour les massages, aucun effet. Hein, j'ai déjà testé, hein, j'ai déjà dit j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Puis même après le massage, j'ai mal. Donc voilà quoi. Je préfère me masser moi-même. Et puis me soigner, rester sur le chauffe d'eau. J'ai la zapette qui est pas loin. Et là.
Alors, je roule deux fois à l'accoudoir du fauteuil, comme ça, je l'ai sur la jambe. Et puis, je suis collée au fauteuil, comme j'ai fixé le chauffe-d'eau au fauteuil. Ah oui, j'ai eu une idée. J'ai dit, je peux pas le mettre, ça touche pas le bassin. Ah, j'ai fixé au fauteuil, il bouge plus du fauteuil maintenant. Donc, je me tiens mal en plus. Mais bon, c'est pas évident. Ouais. Non, mais je sais qu'il y a ces démises et remises. C'est ce qui fait le plus mal quand ça se remet. Là, deux fois. C'est pour ça que je dérouille en fait, hein. C'est parce qu'elle me l'a fait deux fois. Alors, quand ça ira mieux, je vais tout dégager, tout ce qu'il y a devant le bureau, devant la fenêtre. Parce que ça, je veux plus. Je vais tout trier, tout. Même si ça me dérange, tant pis, je vais faire ça en priorité parce que là, qu'est-ce d'émettre sans arrêt parce que je me penche. Non. Je peux plus. Donc voilà. Je vais vous laisser là. Je vous dis à plus. Et